Bonjour à tous et bienvenue. Le 25 août 2023, le boxeur Rudy Amari Sainte est décédé à l'âge de 42 ans. Il était l'une des figures historiques de la discipline dans la mort. Cette vidéo doit servir de rappel à chacun d'entre nous qui se croit meilleur que tout le monde et indispensable. La mort est un rappel et doit être une méditation sur chacun d'entre nous, quand bien même elle est difficile pour les proches. Arrêtons de donner de l'importance à une personne une fois morte, alors que de son vivant, cette même personne vous l'avez critiqué, insulté et j'en passe. Recentrons-nous et redonnons-nous le sens des priorités. Ceci dit, Julien Sainte-Marie est décédé vendredi 25 août 2023, disait à l'hôpital de Marseille à l'âge de 42 ans seulement. Il était jeune et avait encore beaucoup de choses à vivre. Il est mort des suites d'un arrêt cardiaque survenu une dizaine de jours plus tôt. Une terrible nouvelle qui a largement été commentée sur les réseaux, qui a plongé dans la tristesse et la consternation toutes les personnes qui ont eu la chance de le connaître. Admiré dans le monde de la boxe, considéré par tous comme un garçon souriant, bienveillant et attaquant, celui qui se faisait surnommer le brigadier par rapport à ses origines martiniquaises avait laissé une trace indélébile dans l'histoire du sport. Une petite pause dans la vidéo, la famille par l'intermédiaire de la femme de Julien Marie Sainte a créé une cagnotte afin de les aider financièrement dans cette douloureuse épreuve. Je rappelle que Julien Marie Sainte laisse une femme ainsi que 3 petits-enfants. Vous trouverez le lien de la cagnotte en description de cette vidéo. Merci à tous ceux qui participeront et au minimum partagez la cagnotte qu'un maximum de gens puissent y participer. Comme le dit le proverbe, on ne peut pas aider tout le monde mais tout le monde peut aider quelqu'un. Pourtant, ce n'est que sur le tard que ce magnifique athlète s'est orienté vers le noblard après un premier essai infructueux dès sa première jeunesse. J'étais très indiscipliné à l'école et ma mère voulait me canaliser. À 6 ans, j'ai pratiqué la boxe. Malheureusement, le club de la ZUP d'Octeville a fermé, racontait-il. L'enfant turbulent se tourne alors vers le foot, sport vers lequel il révèle de belles qualités d'attaquant. Mais à 18 ans, Pedro dos Pazeres, un ami de son père qui s'occupait de la boxe à Cherbourg, lui a proposé de venir faire un essai. Ce fut la révélation. Dès le premier entraînement, j'ai eu le sentiment de découvrir mon sport, disait-il. Mais je n'ai pas de regret d'avoir commencé sur le tard. De toute façon, je me battais souvent à l'école, ça m'a bien entraîné, se marrait-il avec son rire communicatif. Sa progression allait être aussi fulgurante que son croquet. Après avoir compilé 39 succès chez les amateurs, la pépite de l'AS Cherbourg remportée par KO son premier combat professionnel le 18 février 2006 à Bayeux. Mise en confiance, Julien Marie Sainte, cette expérience pugilistique, si bien que sa boule au ventre, qui l'accompagnait au début de sa carrière, se dissipe rapidement. Seul restait l'adrénaline, son moteur. J'adore les minutes qui précèdent le combat, c'est une sensation terrible. On sait que le gars en face a autant envie de te démonter la tronche que toi. C'est vraiment là qu'on voit si tu en as ou pas. Maintenant, je rentre sur le ring, sûr de ma force, il faut être un tueur, résumait-il. Véritable stakhanovis de l'entraînement, très rigoureux au niveau de l'hygiène de vie, caractère bien trempé, passionné et ambitieux, il a entraîné les succès avant de vivre un terrible drame avec le décès de son père Valère en décembre 2007. Très affecté par cette disparition, il décide de faire tatouer le portrait de son père sur son bras gauche. C'est avec ce supplément d'âme bercé par son souvenir qu'il conquiert en 2010 son premier titre national des poids moyens. Une ceinture qu'il parviendra à défendre à 3 reprises. Devenu numéro 3 WBA, numéro 5 WBO et numéro 10 mondial WBC et challenger européen, il signe un contrat avec Banner Promotion alors que sa carrière internationale est lancée. Il est malheureusement victime d'une rupture du biceps du bras gauche. Après une opération, il ne retrouvera jamais son niveau, il perd un peu de sa puissance et surtout de sa confiance. Le championnat d'Europe, le 2 février 2013 à Aulnay-sous-Bois contre l'Ukrainien Mac Boursak, parbite dans la 3ème reprise. La défaite marque le début du déclin, il essaiera de reconquérir sa couronne nationale le 2 novembre 2013 chez lui à Cherbourg en Cotentin, dans la Manche, devant 1700 spectateurs, mais cette tentative face à Karimakour se traduira par un échec. Il s'inclinera au point rattrapé par la pression et l'émotion. Si la suite de sa carrière allait s'avérer plus compliquée, il restera fidèle à son tempérament offensif et son envie de faire plaisir à ses supporters. Quand je monte sur le ring, je pense à tous ceux qui croient en moi, que ce soit ici ou là-bas, je n'ai pas envie de les décevoir, disait-il. On se souvient aussi d'un boxeur explosif, un véritable winner qui carquait le chaos en permanence et donnait des frissons aux spectateurs avec ses croquettes dévastateurs. Il rayonnait sur le ring comme il rayonnait dans sa nouvelle vie à Marseille où il officiait en tant qu'éducateur sportif et médiateur de la prévention pour le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Julien Marie Sainte était surnommé le brigadier, pourtant durant sa carrière amateur il voulait se faire un nom et pour cela il pensait prendre l'alliance Tyson comme l'illustre champion des poids lourds. Mais fidèle à l'île de la Martinique à laquelle il était très attaqué, il a décidé de prendre le surnom de brigadier en hommage à son grand-père Béran qui le surnommait ainsi car bon ben il courait partout, prêt à rétablir l'ordre. Julien aimait se ressourcer dans son cocon familial à Monero que ses grands-parents Béran et Brinette, un des quartiers du Robert en Martinique. Julien Marie Sainte, pour finir, a totalisé 36 victoires chez les pros, dont 26 par KO, 7 défaites et un match nul. À ses proches, à sa compagne et à ses 3 jeunes enfants, il adresse toutes mes condoléances les plus émues.
Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous plaît, je vais vous demander le petit like avec le commentaire pour le référencement et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et vive la boxe! Là, donc déjà avec Mehdi, vous voyez un peu ce que c'est le haut niveau. Bon, moi je suis une petite touche. Qui va finir ça. Qui va grandir. Ah, j'espère. On est là pour ça. Hein.